Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très ravi encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de notre chère République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre 2021, donc nous sommes pratiquement... je l'espère, parce que si j'ai encore de la force... Demain, je pourrai encore faire quelque chose, je pourrai encore vous parler de ce que je dois vous parler parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on épuisera le sujet. Le sujet tellement est abondant et puis parce que nous devons parler un peu de tout ce qui a été de l'année 2021. Mais je crois que nous allons faire notre condensé pour l'année 2021 au début de 2022 parce que l'actualité est en train de dérouler. Il y a eu de morts à Beni. Il y a eu beaucoup de choses. Le président de la République est en tournée à l'intérieur du pays. Donc, on commence à se demander si c'est de la campagne déjà qu'on a commencé pour 2023. Katumbi a été... Katumbi était à Kisangani. Donc, l'actualité est très, très abondante. Et puis, donc... Nous pensons que nous avons encore beaucoup de choses à vous dire concernant ce que nous cette actualité et puis concernant aussi ce que nous pensons du fond du sujet de notre problème que nous évoquons ici, le fondement sur lequel notre pays doit être assis, doit être mis. Donc le fondement n'est pas toujours trouvé. Donc la fondation sur laquelle notre pays est assise, elle n'est pas encore bâtie. Or, nous avons besoin de bâtir ces fondations-là pour que nous puissions voir le pays commencer à marcher vers le développement, vers le changement. Alors, on va parler de quoi dans ce numéro? Dans le numéro Oyo, je crois que la plus de grande joie que moi j'ai aujourd'hui, la plus de grande joie, c'est que les idées que nous émettons ici commencent à arriver au décideur. Et le décideur, c'est qui aujourd'hui? C'est Fatshi. Les grandes décisions, c'est quoi, mes chers amis? Moi, je vois aujourd'hui, on commence à parler de tout ce que j'avais commencé à parler dès le commencement lorsque je venais sur le réseau. C'est-à-dire quoi? Rebâtir la base. Vous êtes en train d'attendre dans l'actualité, Fatshi est en train de dire que non, on va investir dans les 145 territoires, tout ça. La fois passée, je vous avais dit que j'étais en contact avec des gens qui me suivaient et qui me posaient la question, comment est-ce que nous pouvons y aller? Moi, j'ai dit, la reconstruction de la base, c'est ça le fondement même du changement que le peuple est en train d'attendre. Et moi, je suis très content lorsque on prend conscience que non, le pays doit être bâti sur la base, donc les 145 territoires. Nous allons donc tourner tout autour de ces sujets-là, et puis nous allons aussi évoquer sur les choses qui se passent effectivement autour du président de la République, et comment est-ce que nous allons parvenir à matérialiser ce projet-là de 145 territoires. Mais avant toutes ces choses, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet et puis nous reviendrons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, Francis Kalombo réagit sur sa prétendue séparation avec Katumbi. Et puis projet Chile Gelou, Félix Tshisekedi promet la prison aux détourneurs. On va sur actualité.cd. Un jeune garçon meurt foudroyé ce mercredi à Kamanko, Seto Kasai. Décès de Roberto Gareton, avocat et rapporteur spécial des droits de l'homme en RDC de 1994 à 2001. Beni, le bureau administratif de la chefferie de Bachou, attaqué une fois de plus. On va sur Congo profond. Genre, domestication de la résolution 1325 et des ODD 5 et 16, le mouvement RSF, député national, peaufine les stratégies. Tourisme, le festival Congo River présente le fleuve Congo autrement à Genève. 7 sur 7. Ici, nous avons beaucoup d'informations. Donc, la Cour des comptes contredit IGF, le dépassement budgétaire est une faute de gestion.
Et puis on va à Kinshasa, les chinchards importés de la Namibie déjà disponibles dans le marché. 30 kilos de 16 plus coûtent 32$. Nous allons sur Radio Okapi pour terminer. Bounia, les anciens seigneurs de guerre sensibilisent le milicien pour la paix. Et puis Nord Kivu, lancement officiel de la vaccination contre la COVID-19 à Beni. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, je crois qu'il y a à peu près une affaire d'une année, depuis 2020. Lorsque nous vous disions que Bandeko, salut à Mboka Nabiso et Zali qui ont rétrocédé pouvoir. Le problème que j'ai avec les amis avec qui nous causons, avec qui ont amené cette idée-là des 145 territoires, c'est qu'ils ne comprennent pas. Bandeko, toti kana nou makambo mbongo à côté. Donc l'argent, le Congo n'a pas besoin d'argent pour ce moment-ci. Le Congo a besoin de cet éveil de conscience. Yakoloba, toza wapi, tozo kende wapi. Ngana kosala nini po lobi nanga ezala malamu. Congolais, place nyo so Congolais azali, quelles sont mes responsabilités qui me sont données et que je dois prendre pour que je rayonne afin que mon pays puisse continuer. C'est ça la conscience que nous prenons ici à Contact Pro Live. Contact Pro Live Toloba qui en haut Tolobi. Si nous ne construisons pas la base, si nous ne reconnaissons pas la base, l'ikamboyo ya ko développer mboka ko simba kate. Tozana besoin mbongo na nuté sikoyo. Qu'on n'aille pas vite en besoin ya anala en pensant que l'argent auto ko zoba investisseur, ça ce sont les gens qui veulent pérenniser le malheur du Congolais. Bao bazoka ni sake nomba kotonga mboka na biso efoza la kaba payande mtu bakoya kotonga wala nde mtu bazaba ennemi ya liboso et on en compte beaucoup tout autour du président de la République. Lorsque vous on envoie le président de la République à kende non la diplomatie à Salaboe, nous n'avons pas besoin de la diplomatie pour l'instant. Ce que nous devons faire attention aujourd'hui, c'est le ministère intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans notre... Qui a réellement le pouvoir? C'est ça la question. Le pouvoir de changer les choses, qui a ça en main? Naninde a décidé. Bande qu'on a première partie, oh, to lobela nanu mo konziye, mo konaba tout, oh, baza tout autour yaye. Nous avons vu en fasti une certaine laxisme. Laxisme, on a zolo banani, nandenge, na zolo bana cadre, on a nandenge ya pouvoir autosan ango, nandenge ya système autosan ango lelo, na présentation à pays nandenge autosan ango lelo. Nous n'avons pas besoin d'un type qui n'a pas des idées fixes. Comparativement à ceux qui sont venus avant lui, nous avons eu des leaders qui ont vraiment relevé le Congo ya kotia batuna molongo et Zalaki Mobutu dans le système unitariste. Yango na zoloba fachi dans ce système unitariste a kokokate a kosala pe loko mokote. Et puis le malheur, je vais vous dire pourquoi. A kokokate, tout ce qu'il va entreprendre, ça sera toujours en connivence à biloko o salema kala. On est en train justement de le pousser de faire tout ce que l'autre faisait. Pourquoi biloko ezoko mana ndenge wana? Fachi azana idéologie te. Qu'est-ce que Fachi vient faire? Il vient reconstruire le pays, mais il sait comment reconstruire ce pays? Non, il ne sait pas. La réponse est non, catégoriquement, il ne sait pas comment faire. Félix Tshisekedi ne connaît pas comment faire, parce que s'il savait, soka yeba ki malinga ki a implémenté loko moko autobanda ABCD. Et tous ceux qui sont tout autour de lui ne savent pas, ne peuvent pas l'aider effectivement. Vous allez faire ce pays comment? Qu'est-ce que vous allez faire de ce pays? C'est ça les grandes questions.
Ce pays doit être reconstruit, mais nous allons le reconstruire comment? Est-ce que c'est dans le même dynamisme, dans le même système actuellement? Système haute, on dit déjà que c'est beau, et c'est koufa nango kaleko bongisa mboka oyote. Atato sali ndenge nini, atato kena ba élection 20 fois. Si nous sommes toujours dans le même paradigme, dans le même système unitariste, na décentralisation et à combo, mboko eko bongate. Les coins pauvres resteront toujours pauvres. Bato baza baza côté kamboka ba côté kamboka continue côté kamboka ango. Et c'est là où nous disons que atato lobi le lof que fachaza na ba idée malamu. Non, il n'a pas les bonnes idées. Pourquoi? Parce que s'il avait les bonnes idées, c'est l'application où on va voir que non, idée on va appliquer ango malamu, c'est là où la bonne idée. Mais est-ce que le fachi a le pouvoir? C'est ça la question que nous devons nous poser. Notre président de la République n'a pas le pouvoir. Pourquoi je dis ça? Parce que ma conseiller n'a pas sonné mon toussale et la cahier discours. C'est celui on lui dit ce qu'il faut faire. Il faut à ça la boye. Lui-même a cueilli boya, promettre boye. Et les promesses qu'il est en train de faire, il ne sait même pas comment est-ce que va réaliser ma promesse. Wana. Tout ce que Fatih dit il paraît comme il réfléchit. Koseko ya nani? Est-ce que ça faute ya mokonziye moko? Ou bien ça faute ya bato baza pembeni nae? Ou bien ça faute ya peuple congolais? La faute est divisée par tout le monde. C'est pour cela que nous sommes en train de nous dire que nous devons élever la conscience du peuple congolais. Mais je vous assure que na moment où les Congolais azal sou député. Mais Congolais, c'est une foule qui doit avoir de bons dirigeants qui savent comment tout canaliser, nani tout transformer ba idéologie ba ba tout ba agréer na likamba koloba que non politique na biso tozo bongisa yango pour que to bongisa mboka soki to mnyati awa to koma boye soki to koti na nzela o to komela na suka bo parce que le lo onzela facha zui suka nango to yebi yango kaka ba miibi ba kangama te. Les gens se débrouillent, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça le résultat, Yanzela, au Fatih Azoui. Et pendant ce temps-là, vous avez de bonnes idées, mais vous ne savez pas comment les appliquer. Donc rien. Et ça, ma vision en agnon, surtout, et tikalika na moutou, et que ça la paix est mon côté. C'est ça le problème que nous disons que le problème est au niveau de la présidence de la République. Au sein même de lui-même. Il est moko azana aza à la hauteur te ako dirige mboka oyo. Na système oyo. C'est pour cela que nous avions dit. Il est grand temps, c'est que à se retirer un peu. Je crois qu'il devrait se taire, vraiment, à se taire pendant ne fût-ce qu'un mois, avant d'abimater, à réfléchir qu'est-ce que nous allons faire pour 2022. Nous, ici, nous avions dit que nous n'avons pas, le Congo n'a pas besoin des élections pour l'instant. Les lots au Congo, ils en ont besoin d'élections. Nous avons besoin à ce que nous réorganisons d'abord le pays. Et ça demande du courage. Il y a un courage, on a toujours le bandé. Quand quelqu'un a des convictions, il va y aller et il saura quoi faire. Batouebele, au Bakoki, au Balikambo, il y a 145 territoires. Comment nous pouvons nous y prendre? Bazalier Bele, parce que nous sommes. Ce n'est pas. Moi, je vous dis toujours que Eza Nazaka parmi Batou, au Bazako réfléchir de cette sorte-là. Et nous avions prononcé en disant que non. Nous devons reconstruire ce pays par la base, c'est-à-dire par les 145 territoires. C'est-à-dire comment? Comment allons-nous y arriver? Ndeli kambo oyo bato ya Kinshasa bazo benga ngai oh non, to ko arriver na ngonde yini ni solution nozolo ba ekopese ekosale matin, mais heureusement que mokonziye moko abandi ko loba ango siko na munoko na keno. En tout cas, il y a un plan, c'est que to kopesa 10 millions à chaque territoire. J'ai dit non, soki to lobi ndenge wana papa to ko koma sika mo kote et loko moko ko sale makate. La première des choses qu'il faut faire, c'est quoi? La première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord nous devons préparer à ce que to le cas déjà la 4e République. Toko préparer en ngo nini?
Bandeko, les partis politiques sont en train de nous remettre à, donc Zongi Sakabiso Sima. Je crois que Fatshi doit bon, il y a wana batumsus baza koloba que non, il faut dialogue, il faut batuba vanda ba solola. Non, makambo ko vanda ko solola eza boye. Il faut renvoyer tout le monde dans ce dans terroir na bango, reconnaître les habitants. Fatshi, vous devez reconnaître les habitants. Vous-même, vous l'aviez dit que non. Batwa Kasai, Baza, Batubande Konawe, ya Makila. Les gens de chaque Makila doivent se reconnaître. Nous devons reconnaître les Mouluba. Nous devons reconnaître les Moussonge. Nous devons reconnaître les Mbunza. Nous devons reconnaître tous ces gens-là. Ce n'est pas du tribalisme, monsieur. Waneza tribalisme, te. Tribalisme ezali kozala entouré na batu ya tribu na yo na kati ya unitarisme. Tangu boza bino nyonso na boza na kati ya unitarisme, yo za ko choisir kaka batu ya bandeko na yo, c'est ça le tribalisme. Reconnaître les tribus, ce n'est pas le tribalisme. Awa tozolo bela likambo ko bongisa Congo, to ko bongisa ngo ndenge nini? Nous devons reconnaître le Congo par la tricte l'article 10, c'est ça le seul moyen. Batuna batuba zonga nanu e pana bango a koloba, parce que notre pays c'est quoi? Notre pays c'est l'ensemble de peuples qui avaient ces terres. Batuna batu ba peuple o bazala ki na ba terre na bango, ba terre wana se retrouvé na kati ya territoire o balobi eza République démocratique du Congo. Nous devons remettre le pouvoir na batu wana. C'est ça justement dont nous sommes en train de parler ici. Être remis à la base, bah chef coutumier, bah chef de secteur, bah territoire kuna. Et nous avions dit ceci. Tobandelana nous na ba territoire. C'est là où nous devons commencer na ba territoire. C'est-à-dire que les gens qui sont dans les territoires doivent se mettre ensemble à Kolobakeno. Tobandelana nous, tout ça l'état de lieu. Qu'est-ce qui se passe dans notre territoire? Qu'est-ce que nous avons? Assiette fiscale nini? Mbongo nini otokutope sakana République démocratique du Congo? Qu'est-ce que nous avons? Nous devons reconnaître comment est-ce que nous pouvons nous organiser sur tous les plans. Et à la plan économique, et à la plan social, et à la plan culturel, et à la, sur le plan administratif. Comment est-ce que notre administration fonctionne dans les territoires? Et Batou, ce n'est pas Fatshi qui doit aller faire ça. L'impulsion doit être donnée justement par le président de la République. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Moutounion so azo reconnaître que Fatshi, c'est lui le président de la République et aza na pouvoir nyonso. Mais le pouvoir nyonso o aza na ngo bandeko, akokiko kendeko bongisa babalabala te. C'est ça le problème. Nous devons passer au changement. Le changement, c'est quoi? C'est de casser l'ikamu oya kwa adorer Batou. Nous continuons à adorer trop Fatshi. Nous continuons à adorer trop le président de la République. Nous devons désacraliser cette histoire-là de présidence de la République. Le président de la République n'est pas un magicien. C'est ce que, c'est ce que disait Mobutu, n'est-ce pas? Mobutu disait que le président de la République n'est pas un magicien. Félix Tshisekedi n'est pas un magicien qui pourra
aller au Kassai, aller construire les routes là-bas, oh, tout ça, il va faire... L'isolo en est photo. C'est ça le changement que le peuple congolais veut. Le peuple congolais, comment on a changement, on a un dirigeant, il faut tout changer en haut. Et la seule manière à changer en haut, il faut passer dans la 4e République. Commençons d'abord à appeler les états généraux des territoires. À ce que le territoire, place nous sommes tous à Zali, dans la 4e territoire, dans la 4e territoire, va vendre là-bas solo. La sécurité n'a pas besoin de mal à mouter. Qu'est-ce qui se passe? Banani ango baza. Bah, responsable à bah, territoire wana. Qui sont les responsables des tribus qui peuvent être appelés dans cette organisation à Nania Baïtat de Lié? Batoubaye Bana. Dans chaque tribu, il y a des notables. Batoubaye Bana, bah, chef de groupement, chef de clan. Bah, tout. Nous pouvons nous dire, Yangwana Toza Koloba, nous pouvons appeler ces conférences-là dans chaque territoire, et à la taille à 500 ou bien 450 personnes, Batouba Vanda Baya Kosolola. Avec un canevas précis, pouvoir Eza Nabino, vous allez gérer par exemple les 10 millions. Réfléchissez comment est-ce que vous allez vous allez commencer des projets avec des 10 millions qui pourront résoudre les problèmes dans votre territoire. Bandeko, vous organisez de façon que vous allez en contrôle. Tout ça doit être étudié. C'est ça que nous disons que les projets à 145 territoires sont quelqu'un. Les territoires doivent se mettre d'accord. Nani ndaza responsable. Oya koyiba toko tale la makambo nini. Gestion ya mbongo ekozala ndenge nini. Administration na biso ekozala ndenge nini. Toza na besoin ya nini na kati ya territoire na biso. Qu'est-ce que nous manquons ici na kati ya territoire na biso? Quelles sont nos possibilités économiques autogiko exploiter directement au Ekopé Sapé Bisombongo? Ne pas seulement compter sur le fonds que le gouvernement central va donner à chaque territoire. En fait, que Batouna Katia ba territoire va vendre à son habité. Biso na territoire na biso toza na besoin nzela oyo. C'est nzela oyo biso moko toko luka muto a kotongela biso ango na 2 ans. Nzela oyo bien na ba nani toza na possibilité ko produire ba pondu ba nini oto ko bandokendo teka tout ça. Les gens doivent réfléchir dans leurs possibilités na kati ya ba territoire. Et c'est là où nous disons que ne place to, il fallait comme mamokonzi. Comme maman consulté que non, tu investir kuna na 145 territoires, nous allons investir là-bas 10 millions, et que aujourd'hui va vendir moko ba outi soki poto otie kuna o no kende kozala na territoire a ok bo kende ko superviser musala na kati ya Malemba Nkulu kuna non. Et que si mate mutwana bokotinda kuna gozo ken, c'est ça le retour d'argent, n'est-ce pas? Oyo ba biloko ba sale la kabiso na bakati ya ba ONG na nani na ya ba to humanitaire. C'est ça inde yangona. Il nous donne l'argent et puis il nous envoie des experts. Pourquoi? Laissez-nous nous battre. Comment est-ce que batunyon surtout si place auto suki toko benga mutu. Ba territoire tango ba kozala na mbongo ba koloba e mbongo yango tozo gérer mais toza na ba ingénieur te, ils vont faire un appel de fonds. Appel à batu ya koloba ke non biso toza na ba besoin ba ingénieur na e pa na biso, c'est nous qui vont les contrôler. Ba toana tango ba kozala ba responsable ya kotonga banda kuna bango, le travail se fera nani akoyiba muninga. Et c'est là où nous devons arriver. Place où on a des biso tozo kolinga ko komisa mboka na biso. Mais tant que toko komisa mboka na biso na place wana te. Tant que toko konté na unitarisme o eza ko kosale mel eza ko sale lo ko mokote tozo komisa kaka fachi beton. Et puis fachi beton ngo ye moko aza ko comprendre te parce que idéologie exacte. Nous sommes prêts à expliquer encore une fois de plus. Même avec les textes, comment est-ce que nous pouvons remettre la paix à l'air de la République démocratique du Congo? C'est possible. C'est possible. Kozongi sape na kote na biso na beni kuna, c'est possible. Et puis kosenga biso pe eloko mokote. Et kosenga biso to benga batu msu. Non, c'est possible.
Mais tant que le pouvoir reste dans la main d'une seule personne et que cette personne-là n'a pas cette idéologie à Kolobato, surtout, au baza ko benga biso na Kinshasa, ozika moi idée lobi bon, ok, ezaka 145 territoires sont topés simon. Non, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Et puis, idéologie, oyo, ce qui to sali en goma lamu, ce qui to sali en goma lamu, ça ne demandera pas 2 ans. Mbongo, o tozolo ba tozana, mbongo, tozana, mbongo, tozana ba milliard na katia ba banque na biso, ezako sale mawapi. Ezo mona na wapi, ezo mona na te. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Si nous injectons cet argent ici, et que ça la paix, nous à mon côté. Regardez vous-même, ma foi, ceux qui a Covid, et qui comment ça, bilan cognon surtout échoua kaka. Pourquoi? Parce que nous pensons que si le président de la République n'agit pas, et là, comment qu'on peut ça le matin. C'est pour cela, il y a un moment à ça. Ceux qui a l'ingé, et n'a ni corruption, et ça. Attaché à la présidence de la République. Oh, nani, attaché à la présidence de la République. La présidence de la République est comme un département. Imagine-toi, IGF, et qu'on ne contrôle pas un jour. Ce pays doit. C'est ça le changement que le pays veut. Bandeko, je veux m'arrêter aujourd'hui ici. Je ne serai pas long parce que c'est probable que je puisse revenir demain. Ou bien même le 31. C'est probable. Mais je ne promets pas. Ça dépend de quand nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Pour l'année prochaine. Et nous sommes vraiment que nous sommes s'impliquer ma casse. Parce que l'année prochaine, nous voulons vraiment c'est que nous passions à la vitesse supérieure. Pour nous sommes là. Nous sommes là. Contact Pro Live. C'est toujours dans le même optique. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas que Contact Pro Live est aussi là. Non, non, non. Et aussi la thème, nous comptons sur l'amélioration et puis rendu, comment nous allons rendre encore Contact Pro Live plus accessible, peut-être Tokoleka na ba télévision à Kinshasa, peut-être na Beni ou bien à Lubumbashi. Ça, c'est un scoop que je suis en train de vous donner. Que Dieu puisse toujours continuer à nous garder. En tout cas, je voudrais souhaiter encore une fois de plus mes meilleurs voeux de bonheur et de prospérité pour tous mes abonnés. Batunyonso basabonaka, les gens qui prennent du temps à me suivre. Bato baza régulier. Bato baso benganga mikolonyonso babi Germain mais 2 jours au le quitter. Bato ebele baso kotine langa ba SMS en tout cas WhatsApp nanga etonda. Il y a beaucoup de questions que vous posez mais moi je suis comme je vous dis Batumsuso baza na Kinshasa baza cause baza intéressé na likambwa ça 145 territoires, ils ont mordi. Et c'est ça qui m'a fait compte, qui m'a fait vraiment que non, Nayo qui pensa moi bien que non. Même à Tabatoumi, Balemi, Satou, Balanda, Kingaï, et que bah, comme ici Sango et pas Mokonzi, j'aurais fait mon travail. Et là, je suis soulagé que objectif Langana 2021 et Zala qui atteint. Et j'espère que dans 2022, Likambo a élection et Kozalak. Toko bani rango toko lobate. Toti kananou makamba a élection. Réorganisons d'abord le pays. C'est là où nous voulons arriver, Bandeko. Réorganisons d'abord le pays pour que Bisonyo sotobanda kozwa kaba consensus na katia banani na biso. Pour que to reconnaître, pour que to sala recensement ya malamu. Pour que to sala même nani, ota, nani identification ya batu wa malamu. Pour que to reconnaître ba tribu na biso. Pour que tu passes finalement à fédéralisme, batuna batu base comme il déjà ezala vraiment ezala réorganiser. Donc nous allons vraiment nous avons à vous remercier et merci beaucoup en tout cas. Ezo salanga passi na mawa kota la qui a des gens balamukana tongo dès que na tindiki nani ba landi ango ba réagir. Les gens qui réagissent sur Facebook, sur Instagram, bato belé. Naïb sa kibino ke na Instagram, na zana bato belé. Kole kakoutou na Facebook ou bien na nani na YouTube. Mais, bato wana,
Je crois que c'est demain que nous pourrons faire peut-être le live. Je ne sais pas, l'équipe technique est en train de s'arranger pour que tous allons la live. Peut-être le 31, peut-être ou bien le lobby. Mais nous ne sommes pas encore fixés parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Merci beaucoup. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.